Elle est à combien l'eau? 4 degrés, c'est parfait. Ça va être génial pour aller se baigner pour moi, tiens. Je vous présente Martine, qui est guide touristique à Ushuaïa et qui est aussi un pro du kayak, avec qui je vais aller me balader sur le canal de Bigel en direction de... vous savez quoi? Right. South. Exactly. So how Alors combien de temps il faut pour aller au Cap Horn? To Cape Horn. Oh, un jour et demi. Ah bah c'est bon. Allez, adieu les amis. Ok. Follow my rhythm. Bon, tu pagaies comme moi. Même rythme, même mouvement. On y va. Ouais. Vous n'avez pas l'impression de vivre au bout du monde ici? Oui, complètement. On est sur la terre de feu, entre deux mondes. Le continent américain et l'Antarctique. Tu n'as jamais pensé à aller au Cap Horn en kayak? J'adorerais y aller. Mais il faut vraiment bien se préparer physiquement et surtout être courageux. Tu sais, le Cap Horn, c'est un cimetière d'épaves. J'aurais besoin d'environ 5 ans d'entraînement. 3 saisons de salle de sport, quelques poids et je serai prête.